Quê chọc ông nuôi chim bé bạc cả mình to cái chim đà ca này thì thảm đà ca nâng cao bị cái chuyện từ cầm bị cái bị cái đây lục hiệu sầm phón là mấy miền đà ca mình to ca tăng sầm nốt đến đầu chụp bùa xạ xì Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur le témoin, je vais poursuivre. Hier, répondant à une question de Monsieur le juge Lavergne, j'ai cru comprendre que vous avez indiqué qu'il y avait eu un premier barrage. Je n'ai pas compris si c'était sous Bonnol ou avant Bonnol, mais qu'il y avait un premier barrage avec un canal d'irrigation qui n'était pas profond. Est-ce que j'ai bien compris et est-ce que vous pouvez préciser à quel moment ce barrage a été construit ? ទិនទំនប់នឹងវាអត់បានប្រើអីទេទិនទំនប់នឹងធ្វើមកចំនួនសង្គ្រាមប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ញុំថាសង្គ្រាមប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យគឺសង្គ្រាមជាមួយលន់នល់ទេហើយទំនប់នឹងវាអត់បានទេអត់បានប្រើទេ Donc, si je comprends bien, le barrage du 1er janvier était le premier du genre dans votre région. Ça me fait vous poser une autre question. Avant l'existence de ce barrage, comment faisiez-vous pour vos travaux d'irrigation pour la riziculture ? ទំនប់នឹងពីដើមយើងអត់មានដែលធ្វើអរិញប្រដាប់បូមទឹកដោយសងាយសងាយគេបច្ចេកទេសគេធ្វើបូមដាក់ស្រែគេចង់ធ្វើស្រែប្រាំងទេគេបូមដាក់ស្រែសងាយគេកន្លែងខ្លះនៅនឹងបរាយគេបហូរទឹកនឹងទៅដល់ស្រែគេហ្នឹងខែប្រាំងនេះហើយស្រូវគេនឹងខ្ជុំមកឆ្នាំទៅប្រាំងនឹងខ្ជុំពីដងទេតំបងគេព្រោះគេព្រោះស្រែប្រាំងនោះទៅដល់គេខ្ជុំមកសាគេភ្ជួរព្រោះមកសាទៀត Je ne sais pas si ma question n'était pas assez claire, je vais la reformuler. Ma question est de savoir, avant l'existence de ce barrage, comment vous faisiez pour cultiver et pour avoir de l'eau quand c'était la saison sèche. Comment est-ce que vous faisiez, si vous pouviez faire quelque chose? ទំនប់ធ្វើប្រឡាយនឹងបានទឹកឯណាយកទៅសូចសពស្រែអញ្ចឹងទៀតកាលដែលមុនធ្វើប្រឡាយនោះយើងពឹងទៅលើមេឃទេទៀត បើភ្លៀងវាគ្រប់គ្រាន់នោះក៏គ្រប់គ្រាន់តែបើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាស្កទៅទៀត Hier également, j'ai cru comprendre que vous avez évoqué la longueur du barrage, vous avez évoqué 10 km. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que vous faisiez référence à une autre distance? ទៅទំនប់6មករាទេទីមិនមែនជាទំនប់
ແລະສົບປາຍຕີມັນແມ່ນຈິດປາຍສົບປາຍຕີຕະນຸບນັ້ນຂ້ອຍຈຸມລີບນໍທີ່ຕະນຸບນັ້ນຕະນຸບ Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la longueur du barrage du 1er janvier. Et je vous interroge sur cette longueur parce que nous avons au dossier un document, c'est le document IS 18.86, ERN en français 00347726, ERN en Khmer 00231627, ERN en anglais 00096744. C'est un document qui est un déplacement sur le terrain à Kampong Thom en date du 30 janvier 2007 fait par les équipes des coprocureurs. Et dans ce document, il est indiqué le barrage a une longueur de 58 km. Donc je voulais savoir si cette distance de 58 km correspond à ce que vous connaissez ou simplement vous ne connaissez pas la longueur exacte du barrage du 1er janvier. មួយមករានេះមានប្រវែង 58 គីឡូម៉ែត្រឬក៏យ៉ាងណាបើប្រវែងប៉ុណ្ណឹងតល់ប្រទាំងប្រឡាយផងទៀតរອບទាំងប្រឡាយដែលទៅដល់ស្រែដល់នឹងបានវាបានបើថាទៅទូទៅនោះមកវាតិចទេប្រឡាយទៅតែវាវែង Donc, si je comprends bien votre réponse, les 10 km que vous évoquez, c'est le barrage, le mur du barrage en tant que tel, c'est bien ça? Et juste comment savez-vous que cela fait 10 km? Et que vous calculez par rapport à quoi? ពីភូមិខ្ញុំពីខ្នល់ទៅទំនប់មួយមករាវា4 គីឡូម៉ែត្រហើយពីទំនប់មួយមករាទៅត្រឹមផ្លូវខ្វែកវា4 គីឡូម៉ែត្រទៀតពីផ្លូវខ្វែកទៅដល់ដែល6មករាទៅដល់ដែលចប់ទំនប់មួយមករាវាប្រហែលជា4 គីឡូម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណឹងទៀត Je vous remercie de ces précisions.
Je voudrais revenir à quelques passages de votre déclaration de 2008, E3-5255, et tout d'abord un passage qui se trouve à l'ERN 0 en français, 00277227. ERN en anglais 00250045 et en Khmer 00239909. Je vais vous citer, voilà ce qui est noté dans cette déclaration. Pour la construction du barrage, c'était l'échelon moyen qui imposait le plan à réaliser à l'échelon inférieur, puis rapportait à l'échelon supérieur. Fin de citation. Ma question est de savoir ce que vous entendez par échelon moyen. Qu'est-ce que c'est l'échelon moyen? Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'échelon inférieur? Et qu'est-ce que c'est l'échelon supérieur? Est-ce que vous pouvez préciser dans le cadre de votre travail sur le barrage? ធ្វើការគឺថ្នាក់ភូមិហ្នឹងទេថ្នាក់ក្រោមហើយថ្នាក់កណ្ដាលចាប់ពីសង្កាត់ទៅដល់ដែលតំបន់ហើយដល់ថ្នាក់លើនោះគឺថ្នាក់លោកប្រធានថ្នាក់លោកប្រធានធំៗខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីលើនេះទេព្រោះទំនប់ហ្នឹងដែលធ្វើមិនមែនអ្នកតូចតាចធ្វើទេគឺអ្នកធំដឹកនាំធ្វើទេ Et est-ce que vous connaissez le nom de ces gens du plus haut niveau? Et quand vous dites l'encart, qui vous a parlé de ce plan, vous parlez donc de l'échelon du milieu, qui sont vos supérieurs directs. Donc, c'est ça Et donc, quand vous dites que c'est l'échelon moyen qui imposait le plan à réaliser à l'échelon inférieur, vous voulez dire que c'est Bonne et vous, votre supérieur hiérarchique, qui déterminaient ces plans, c'est bien ça? ແລະສັງກັດແມ່ນປັນຕະນະກົມທີ່ໃນຂ້າງເລືອຄືສົກໃຫ້ຕໍາບົນນີ້ແດ່ຈະເມຍຂອງກອດໃຫ້ບົນຫນຶ່ງພຸດນີ້ຈະເມຍຂອງຂ້ອຍມື້ນີ້ຕີປະຕອບປີຂ້າງຖະນະກະດາຂ້າງເລືອຂ້ອຍມັນດັງທີ່ຕິນສູ່ຈັ່ງຂ້ອຍມັນຕຶດັງທີ່ຕິນການງານນັ້ນ
Il n'y a pas de problème, je vous demande simplement d'évoquer ce que vous connaissez. Un autre point sur votre déclaration. Hier, j'ai cru comprendre que lorsque vous avez évoqué les horaires de travail sur le site, vous avez parlé d'un début à 4 heures du matin. Dans votre déclaration E3, donc 5.2, 5.5, à la même page en français, donc, c'est-à-dire 00277227, à l'ERN en anglais 00250046, et en Khmer 00239909. Voilà ce qui est indiqué. Le travail commence à 6h30 du matin jusqu'à 11h, puis ça recommence de 2h de l'après-midi jusqu'à 5h, et pendant la nuit de 7h à 10h. Pour terminer le plan de la construction, les travailleurs étaient obligés à travailler de 4h du matin jusqu'à 11h, puis de 2h à 5h d'après-midi, et la nuit de 7h à 22h. Fin de citation. Je comprends de cet extrait de votre déclaration que ce n'est pas pendant toute la durée des 6 mois, en tout cas de la construction du barrage, qu'il y avait un début du travail à 4 heures du matin, mais que ça a été vers la fin lorsqu'il a fallu terminer. Est-ce que j'ai bien compris votre déclaration ou est-ce que je me trompe? Vous avez également indiqué à l'audience d'hier, c'était un petit peu avant 15h16, que vous aviez un repos tous les 10 jours, si j'ai bien compris. Ma question est la suivante, vous avez évoqué ce matin avec mon confrère le fait que parfois il vous arrivait de faire des rotations au niveau des membres des 100 villageois qui travaillaient sur le site. Est-ce que c'est pendant ces plages de repos tous les 10 jours que vous faisiez de la rotation ou est-ce que c'était un autre moment? Alors, je vais essayer de clarifier ma question. Ma question était de savoir si c'est pendant cette période de repos que vous en profitiez pour faire des rotations au niveau des équipes lorsque vous décidiez de faire des rotations. Ou est-ce que c'était un autre moment que cette rotation se faisait? ការដូនឹងវាដូក្នុងពេលដែលក្នុងពេលប្រមួយខែនឹងក៏ដូដែរទីប៉ុន្តែដូលុះត្រាតែកម្លាំងនឹងវាខ្សោយពេកគេដូសុំទៅធ្វើការក្រោយមិនមែនដូឈប់ធ្វើការណាទីឈប់ពីខាងបន្លាយទៅធ្វើការក្រោយវិញទេទី Ce sera ma dernière tentative. Est-ce que ce roulement intervenait pendant ce repos des 10 jours ou est-ce que c'était à un autre moment? បើថាពីភូមិនឹងគ្មានដូទេនៅនឹងកន្លែងទៅ អត់អាចទៅសម្រាប់បានទេ វាបាត់មនុស្ស
Je vous remercie de cette précision. Je voudrais maintenant passer à un autre point et m'intéresser à la période durant laquelle vous étiez dans votre village, chef de village, et pas sur le chantier. Vous avez évoqué la situation brièvement des Cham au sein de votre village, et je voudrais revoir avec vous un certain nombre d'éléments que vous avez indiqués aux enquêteurs des couches d'instruction lorsque vous avez été entendu. Alors je vais d'abord lire ce qui a été noté tel quel dans la déclaration écrite. Et ensuite, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais passer un extrait de l'enregistrement audio de cette déclaration, parce qu'elle est un petit peu plus précise. Et ensuite, je vous poserai des questions. Je préviens déjà, d'abord, est-ce que j'ai l'autorisation de passer ce cet extrait de l'enregistrement audio? Il s'agit, mais pas que je dise le numéro, de l'enregistrement D166-35R, et c'est entre 1h44 et 1 secondes. Je précise que nous avons envoyé un mail indiquant que nous voulions utiliser cette partie. Alors, pour la cabine technique, je vais d'abord lire un extrait de la déclaration écrite et je vous indiquerai quand il conviendra de jouer l'extrait. Donc, dans votre déclaration E3-5255 à l'ERN en français 00277229, en anglais 00250047, en khmer 00239911, il apparaît la question suivante. Voilà, telle que la question a été transcrite. Avez-vous eu connaissance de la politique d'extermination des Cham? Et votre réponse telle qu'elle a été notée est la suivante. Je ne savais pas, je savais simplement qu'on ne voulait avoir que des Cambodgiens. Fin de citation. Dans la réalité, monsieur le témoin, vous avez été plus précis et je voudrais maintenant que la cabine technique puisse jouer l'extrait et je vous poserai ensuite une question. ជាក្រុមចាមជាជនជាតិចាមណាខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរប៉ុន្តែព្រោះថាគេឲ្យធ្វើតាមមួយគឺជាប្រជាជនតាមមួយគ្មានចាមគ្មានខ្មែរ I'm not quite sure or not well aware of that, but the only target they have is that to have only one, to have a single
group of population for the revolution. Did you think that Chams was singled out for arrest or execution? លោក ក្លប បាន ទង្កេត ឃើញ ឬ ក៏ គិត ថា ពួក ចាម នឹង ត្រូវ បាន គេ ចុច យក ទោះ បី ជា អ្នក នឹង ក្នុង គុំ ខ្មែរ ក្នុង សង្គម ខ្លះ ដែរ គឺ ចុច យក ចាម ដើម្បី ធ្វើ ឡាប ឬ ក៏ ដើម្បី ធ្វើ ទុក បុក ម្នេញ ឬ ក៏ ចាប់ អី ទេ ខ្ញុំ បើ ក្នុង ភូមិ ដល់ ទី ទៀត ខ្ញុំ មិន ដឹង ប៉ុន្តែ បើ ក្នុង ភូមិ ខ្ញុំ វា គ្មាន ទេ ក្រាន It does not, it did not. Je ne sais pas, je m'adresse aux cabines d'interprètes, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de traduction en français de ce qui a été dit littéralement en khmer, mais est-ce que c'est possible à ce moment-là de rediffuser cet extrait et de faire en sorte qu'il y ait une traduction en français que je n'ai pas reçue? Your Honor, if I could, Mr. President, if I could only make an observation. If I understand counsel's point, the defense believes that the interpretation that we have in the official document is incorrect or incomplete. And I certainly understand they have a right to challenge that. I just think in the future it would save a lot of time if there was a request made to CMS to correct the translation rather than asking the booth to listen to a recording in court and make an instantaneous translation that may or may not be the same in all languages. In the future, I just think it's very important to point out any times that translations are incorrect or incomplete, but it's much more beneficial to all parties if it's brought to CMS's attention before the hearing rather than debating it during the hearing. Je n'ai pas de problème pour faire une demande à la CMS, que ça soit bien clair. En l'occurrence, vu la brièveté de l'extrait que je proposais, je ne pensais pas que c'était un problème pour les cabines d'interprètes de le faire. Mais s'il y a vraiment un problème de qualité, je pense qu'au moins les khmérophones auront entendu l'intégralité et nous ferons la demande de CMS. Mais si je peux continuer dans ma question, je vais quand même faire la traduction littérale que j'ai eue de mon équipe et demander à monsieur le témoin de confirmer. Dans ce que vous avez répondu à aux enquêteurs qui vous interrogeaient. Excuse me. I would ask counsel to ask the witness what he said. It's very leading to read to the witness what the team interprets his words and then asking him to confirm that. Précisément, là, vraiment, je ne comprends pas l'intervention de M. le procureur, puisque la volonté précisément de jouer à ce qui a été exactement dit par le témoin était précisément pour qu'on ne dise pas que je fasse des questions orientées. Donc là, je trouve que le procès est vraiment mal dirigé. Monsieur le témoin, vous avez réécouté ce que vous avez dit ce jour-là aux enquêteurs. Est-il exact de dire que vous avez dit que vous ne saviez pas trop quelle était la politique à l'égard des Cham, mais qu'on voulait que ce soit un peuple unique, pas de Cham ni de Khmer. Est-ce que par rapport à ce que vous venez de réécouter, ça correspond bien à ce que vous avez dit, parce que nous n'avons pas eu la traduction dans toutes les langues? អង្គការថ្នាក់ដាគាត់បាននិយាយមកគាត់ថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនតែមួយទេគឺខ្មែរតែម្ដង
គ្មានអ្នកថ្មីគ្មានអ្នកចាស់គ្មានចាមគ្មានជ្វាទេគឺខ្មែរទាំងអស់ Vous avez indiqué hier et vous l'avez confirmé encore aujourd'hui, on l'a entendu dans ce que vous avez dit dans l'audio, que vous ne saviez pas ce qui se passait dans les autres villages, mais que chez vous, il n'y avait ni mauvais traitement, ni persécution des Cham. Est-ce que c'est bien correct? Cầm trở thì ông mình thơ báp cái thế. Vous avez indiqué, et je voudrais une précision à ce sujet, toujours à propos des Cham. C'était hier, lors de votre interrogatoire, je crois, par les coprocureurs, que les Cham dans votre village avaient la possibilité de tuer leurs animaux. Ma question est la suivante, est-ce que ça veut dire qu'ils pouvaient tuer des animaux donc autres que des porcs en application de leur rituel? ពិធីជំនឿសាសនារបស់គេឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់មែនទេទីនព្រោះចាមដែលមិនមកនៅភូមិខ្ញុំនឹងគាត់តែនិយាយថាខ្ញុំបើមិនបានសម្លេះខ្លួនឯងពួកខ្ញុំគេមិនឲ្យស៊ីទេកាលនោះចាមដែលចំណាស់ចំណាស់ខ្ញុំសងាយនេះណាគាត់ថាខ្ញុំបើគេមិនឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំ มันบานซีเตมันบานภาษาบานซีเตខ្ញុំក៏ប្រាប់មិនក្រុមទាំងថាកុំធ្វើបាបគាត់ទេឲ្យគាត់សម្លាប់គាត់ចាស់ហើយខ្លាចបាបគាត់និយាយនរទីគាត់ថាអត់បាបទេបានបុណ្យគាត់ដល់គាត់វល់គាត់ខ្លាចមិនបានស៊ីគឺថ្ងៃហ្នឹងគេតែសម្រាប់ដល់ថ្ងៃសម្រាប់ម្ដងទៅវាត្រូវធ្វើគោមួយចែកគ្នាស៊ីមកភូមិហ្នឹង គាត់គាត់សម្លាប់ទៅគាត់យកចៅគាត់ពីរនាក់ចៅនឹងសងាយគឺទៅរៀននៅណាទីខ្ញុំជួបម្ដងដែរប៉ុន្តែចៅនឹងអ្នកស្ទះដៃសើចហើយតានោះអ្នកអាកកោអើវារបស់គាត់ខ្ញុំវាមិនដឹងទេខ្ញុំមើលទៅពីចងាយទៅ อาจารย์เตะได้ซอยទៅตานุก็ถอมนั้นถอยกอดนี่นะเจตะโซទៅก็ถ้าดอลเธอรู้ទៅก็ถ้าปันแหน่ខ្ញុំបានធីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបានធីក៏ប្រសាមែននឹងធ្វើកូនប៉ុន្តែជួបក៏មិនប្រសាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើជួបក៏មិនប្រសាក៏ប្រហុកឲ្យគាត់ប្រសាទេបងយើងមានតា Et toujours sur la question des animaux, vous avez indiqué que on pouvait abattre les animaux tous les 10 jours. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait de façon fréquente au sein de votre village? មួយឆ្នាំបានមកដងទេទៀតវាមិនបានដប់ថ្ងៃមកដងទេវាមួយឆ្នាំបានមកដងបើជ្រូកអីវាបានញឹកបាន3ខែឲ្យមកដងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជ្រូកមួយស៊ីមកភូមិមកទីស៊ីមិនទីតែឯងណាមិនដូចយើងប្រសាសំងៃទីទៀតវាបានគាត់បានសាច់ជ្រូកនឹងឯង បើសាច់គោវាគាត់បានថាសាច់គោនឹងឯងវាឲ្យវាបានតិចតិចម្នាក់នេះទៀត Vous avez également évoqué
la possibilité de pêcher des poissons. Ma question est de savoir si il y avait une unité spéciale chargée de pêcher du poisson ou est-ce que chaque famille se chargeait de gérer cette question elle-même. Dương thơ ca chân từ cha từ mòn nè phư lợn mà cái mòn phải nói là phư lợn là từ bị là nghịch từ 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 thơ ca đó thơ ca rồi đọc về bài mò si tiền nứng có cái cho ngu tất tam bà lại từ hãy bố kê nâng cái bà cái đó thì bà cái chập tay nóng tức hạt mình là bò tí គេ ស្ទីប ថ្ម ទៅ គេ ចាប់ ត្រី បាន មក ណោត មក ណោត ទៅ ហើយ គេ យក មក គេ អាំង ទៅ គេ ចែក គ្នា ស៊ី ទៅ មក មក ក្រុម គេ ដែល មក ຕົក គេ នឹង គេ ចែក គ្នា ស៊ី ណា បាន ឲ្យ គេ ស៊ី នឹង ទៅ ហើយ ស្ល រង បាយ នឹង ក៏ គេ ដាក់ ម ឲ្យ ថែម ទៀត ទៅ បើ ស្ដាប់ លោក ស្ដាប់ ខ្ញុំ និយាយ នឹង ថា ដូច ជា Đó chỉ sẽ bố bố bí nà, mình chỉ sẽ bố tới tiên. Hồi chúng bố đề xa à phùm đề tờ rô, trầy nó chặt, khní rô mẹ anh tiên. Vì mình tờ tờ lê xa, tờ tàm từng, bánh bán kre vô cái lãnh phim nóng vì sẽ bố nâng cái thơ spin rúi vậy tiên. Thôi spin rồi trái với mọc cọ nó spin như này. Hãy xong để lộp để thay ra xa spin nóng ô. Ta mà mông tới bàn mà cái chê chiêng. Hãy vô trái nóng anh màu. Mà hộp tới. Un dernier point sur votre village. Vous avez indiqué avoir procédé, et là, je cite votre déclaration E3-5255, ERN en français 00277229, ERN en anglais 00250047, ERN en Khmer. 00239911. Et vous avez indiqué, c'est ce que j'ai cru comprendre que vous aviez également indiqué hier une des questions qui vous était posée par monsieur le procureur international en disant que de 1975 à 1977 dans mon village on n'autorisait pas le mariage mais il était autorisé à partir de septembre 1977 fin de citation et dans vos explications hier à monsieur le procureur en répondant à la question de monsieur le procureur j'ai cru comprendre que vous aviez indiqué que les Le mariage n'était pas autorisé parce qu'il y avait la guerre. Donc ma question est de savoir si on a bien compris les dates que vous avez indiquées et est-ce que oui ou non les mariages ont été interdits entre 75 et 77 ou est-ce que c'était avant quand il y avait encore la guerre ? Est-ce que vous pouvez préciser ? ការដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមយុវជនយុវនារីមិនរៀបការទេហើយបើរៀបការក៏យើងរៀបការឲ្យពួកពិការដែលគ្នាកបុតដៃវត្តជើងខំតស៊ូដើម្បីការពីជាតិនោះនឹងគេការមែនប៉ិនចំពោះអ្នកដែលពិការទេហើយចំពោះអ្នកដៃជាស្មារឹងនោះទុកធ្វើតបសិននឹងមុនឆ្នាំ1975ទីដល់ឆ្នាំ1975នឹងអត់ទាន់មានការទេទីដល់ទៅឆ្នាំ1977បានការDonc entre 75 et 77, dans votre village, vous n'avez opéré aucune cérémonie de mariage, c'est bien ça ? Non,
mình bàn tiếp chồng thì tin Vous avez ensuite indiqué que vous avez organisé des cérémonies de mariage pour parfois 30 à 40 couples. Ma question est de savoir, donc entre septembre 77 et mi-78, le moment où vous n'êtes plus chef de village, combien de fois avez-vous fait des cérémonies de mariage, si vous vous en souvenez? Excusez-moi, j'ai perdu la fin de votre réponse. Vous m'avez dit qu'il y a donc trois cérémonies de mariage à partir de septembre 77. J'ai bien compris votre réponse. Cả bản nhạc cả bây đó mà đoan xam sập cu mà đoan xe sập cu tới nà tin. Mà đoan cả trả hơn. Et entre mi-78 et le moment où les Vietnamiens sont arrivés, est-ce que vous vous souvenez combien de cérémonies de mariage il y a eu, s'il y en a eu? Cà nghĩa to tè kê nà mục nà ca mây phung mây ới ba kê hai tư. Si j'ai bien compris votre déposition, vous habitez toujours dans le village dont vous étiez le chef à l'époque, c'est bien ça? Vous habitez toujours dans le même village? តែអញ្ចឹងមិនទេលោកនៅតែរស់នៅក្នុងភូមិនឹងដដែលបាទខ្ញុំរស់នៅក្ដដែលប៉ុន្តែការមិនមែនការនឹងភូមិខ្ញុំទេណាទីតែការនៅភូមិគេដទីទេយកបដើគ្នាទៅបើបានច្រើនភូមិយើងទៅបើថា 5គូភូមិយើងបដើគ្នាទាំង 5គូទៅការទៅហើយភូមិគេប្រមាណគូគេមកទៅបានវាច្រើននោះ Ok, excusez-moi monsieur le témoin, je pense que vous n'avez pas compris ma question. Là, je vous demande si aujourd'hui vous habitez toujours dans le même village. Aujourd'hui, maintenant. Je ne parle plus des mariages. សំងៃខ្ញុំមកនៅខាងភូមិប្រពន្ធខ្ញុំខាងភូមិទួលសាលាឃុំចងដងស្រុកបារាយការដែលខ្ញុំធ្វើប្រធានភូមិនៅភូមិព្រៃសង្ហែឃុំបលាំងស្រុកបារាយនៅឆ្នាំ 1975 Est-ce que depuis Est-ce que vous avez revu des personnes qui faisaient partie du groupe des 100 villageois qui ont participé avec vous aux travaux sur le barrage du 1er janvier. Est-ce que depuis 79, vous en avez revu certains? Est-ce que vous savez si certains sont encore en vie?
គេនៅកកកូទីនឹងភ្នំពេញនឹងក៏មាននៅខេត្តស៊ីមរៀបនៅភ្នំពេញតាមទៅគេតាមគេទៅនៅកន្លែងគេធ្លាប់រស់នៅពួកកាលដាច់ពលពតមកគេក៏លប់មកនៅតាមកន្លែងគេស្ម័គ្រចិត្តនៅ Et ma dernière question sera, est-ce que vous vous souvenez du nom de ces personnes qui sont toujours en vie? Est-ce que vous pouvez nous les donner, si vous vous en souvenez? បងសាយអ្នកលោកសុនអនភ្លេចឈ្មោះខ្លាទីនប្រចាំមុខហើយខ្ញុំជួបតញយដែរមកលេងគេដែរជួនកាលក៏គេទៅលេងខ្ញុំនឹងដែរ Je vous remercie de ces précisions et Monsieur le Président, nous n'avons plus de questions du côté de l'équipe de Kyusampon. ហើយតាមដំណើរការជាបន្តនៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មសាស័យដែលមានហានិភ័យពី TC ដែលវាយូរ9909តាមប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍សូមភារកិច្ចជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាកំណត់នេះអង្គជំរះសូមអរគុណលោកអោហូដែលបានចំណាយពេលវេលារមៀនតម្លៃមកដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាសាស័យក្នុងរយៈពេល 2 កន្លែងនេះសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមភាកទីនក្នុងការស្វែងរកការពុតនៅរឿងក្តីនេះសក្ខីកម្មរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អសម្ដាងល្អហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនរោត្តមរួចជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកម្ពុជាសាស័យនិងអ្នកជំនាញក្នុង Somjeng Krongcho.